Bonjour les petits loups, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation et le test d'un boîtier Péritel vers HDMI de votre téléviseur. Alors j'ai acheté ça, ma chérie s'est mise dans l'idée de ressortir de vieilles cassettes familiales. Alors on avait encore le magnétoscope, mais la télé n'est plus pourvue aujourd'hui de prise Péritel. Alors je me suis renseigné un peu sur le net, j'ai regardé ce qui se vendait et j'ai commandé ça sur le revendeur O, avec un grand O. Et on va voir ce que ça donne. Donc, j'ouvre avec vous le carton. Voilà le boîtier. Alors, la marque Amanico. Ça se présente, ça a l'air d'être propre, hein, c'est tout léger. On a l'entrée Péritel de ce côté-ci. La sortie HDMI. Je vois qu'il y a un petit curseur pour passer du 1080 au 720p. Une petite LED d'alimentation. Et une alimentation électrique DC 5 volts. Alors je pose le boîtier. Regardez. Effectivement, l'adaptateur secteur est livré avec un petit mode d'emploi. Bon, bah, je vais sortir les cassettes et on va tester tout ça. Allez, à tout de suite. On se retrouve. Le petit boîtier est branché. Donc ici, on a ressorti du placard un vieux magnétoscope Thomson. Ouais, c'est ça, Thomson. Et on va retrouver ici notre petit boîtier que j'ai branché à l'arrière. Alors comme je vous disais, hein, bah, des câbles et des câbles. Donc on a bien notre entrée vidéo par Péritel, notre sortie HDMI vers la télé et son petit câble d'alimentation. Alors par rapport au 1080 720p, je suis resté sur le 1080. J'ai essayé avec le 720p. L'image c'est encore pire, c'est déjà pas top, on est sur de la VHS, mais allez, c'est regardable pour une cassette de l'époque. Je vous montre ce que ça donne en vidéo. C'est branché, ça fonctionne. Alors au niveau rendu, ça reste correct. On a un léger striage sur la vidéo, une bande noire en haut et en bas, c'est normal, à l'époque le 16/9, ça passait pas. La VHS, elle est de 1993. C'est quand même pas mal au niveau du résultat. Donc si vous voulez acquérir ce petit boîtier, pour ma part, je l'ai acheté sur Amazon. Il valait 15,99 et je l'ai eu à 13,99 € avec un coupon de réduction. Maintenant, si vous le trouvez ailleurs, tant mieux pour vous. Il n'y a pas de souci. Je ne fais pas de pub. Je vous dis juste où je l'ai acheté pour simplifier les choses. Si vous avez plus de questions, n'hésitez pas à me les envoyer. Je me ferai un plaisir de vous y répondre. Et on se retrouvera bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut les petits you, à plus tard. Bye bye.